Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus et nous voilà repartis sur Shadow Empire. On va essayer de survivre à tout ça, donc là on perd énormément de ressources, on est en train de produire notre industrie. Donc on va avoir une plus grosse production en industriel, ça c'est cool. Je veux juste vérifier quelque chose. 60, 100. Et ça sort pas. Ok, on consomme que 100 pour l'instant. Là, on produit 100 et on produit 214. Ok, ça me va plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a comme décision? Bureaucratique à 7, Rich. Oh putain, la vache, ils nous font chier là. 5 levels. On a combien de levels pour l'instant? On a 7 bureaucratiques. 2. Quatre. Il faudrait qu'on monte d'un niveau l'un des deux, ou alors qu'on rajoute un bâtiment qui génère de la bureaucratie. On va être obligé d'augmenter d'un niveau. Oh putain, 3 tours, 6 tours. Je pense qu'on va avoir du mal à tenir la... tenir ça. Un peu de mind. Le gouvernement. Ah putain, on va pas réussir à les state company, ça c'est dommage. On est meilleur en enforcement qu'en gouvernement. Soit le mind, on est resté au-delà des 60. Pas ouf, hein. Les époques parfois sont compliquées à gérer. Et ça qui nous produit rien. Hey, on a augmenté nos recrues. Encore un petit tour et on pourra envoyer la dose. Comme on dit dans le jargon. Pourquoi tu produis rien? Ok, donc ça sert à rien qu'on essaie de le conserver celui-là. Ok, il y a une troupe ici. De valider ça, je pense. Il faudra qu'on essaye de valider ça. Au tour prochain, ça se trouve, on va pouvoir recruter. On va compter là-dessus. Ouais, c'est ça. On a le foreign. Alors, la cible, ça sera à droite. ...253 de difficulté, t'es sérieux? ...60... On va rien pouvoir faire avec ça. Non. Les Scorks nous demandent en... On a vraiment personne de calé pour pouvoir faire ça. Hein. ...80% de chance d'échec. Échec automatique. On aurait pu faire un bureaucratique push, juste histoire de valider la quête. J'y ai pas pensé. Non, 80% de chance d'échec, je l'aurais pas tenté. Augmenter la relation avec les gouverneurs, l'XP pour les gouverneurs. Ration de tous les commandants. Combat bonus plus 50%. Terrible. Ça fait quoi? Oh, ça peut être pas mal.
On se le tente, j'ai jamais fait, au moins on découvre. On est moins bête. Tant qu'il est pas trop au sud, ça. Scientifique outpost. points de recherche en plus. Je pense que ça vaut le coup. Je préfère un truc de militaire parce que c'est un jeu de guerre où on fait la guerre. Ah, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas grave. On arrive quand même à remplacer au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des tours en fait où on remplace tellement que ça nous absorbe les recrues. C'est peut-être pour ça. Ça nous absorbe les nouvelles recrues en fait. Au lieu d'aller dans le pool, elles vont dans les replacements. C'est ça qu'on passe des tours à zéro. Mais bon, au moins on a les industrial points qui vont monter. Putain, ils ont réussi à nous dégager de là. Hein. Ils sont en train de regagner du terrain, ces enfoirés. On a gagné un peu de métal, c'est ce qu'il faut dire. On a été métal. Je pense qu'avec une deuxième section, là, on s'en sortira mieux pour les combats au sud. Et là, le problème, c'est que c'est juste une guerre de territoire. C'est hey, « je pousse ici, je m'en vais, je pousse là pendant que tu récupères là. Ah, » ah, ah. Et vu que je peux pas faire une ligne descente sur toute la longueur, je ne suis pas bien. Ça attaque en haut. On a défendu, ça c'est plutôt bien. Très sérieux. Et dans 13 tours, ça va commencer à diminuer. On a gagné de discipline, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Peut-être réussir à rebooster un peu notre... Putain, 35, c'est rien. Enfin, c'est... Je le vois comme un pourcentage. Hein. Là, on a 35% de militantisme. C'est pas avec ça qu'on va s'en sortir, les gars. Oh, 51%. On peut sortir des machine guns, ça c'est bien en défense. Mais je préférerais... On va prendre les machine guns. Ça coûte vachement plus cher en métal, hein. Mais on s'en fout, on aura de meilleures troupes. On est à 29% en items, pourquoi? Les munitions. Et on a besoin d'un... On a besoin d'une machine pour faire ça? Là, on pourrait le faire pour des troupes vraiment de base. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Logistique 100, 29%. On est limité par ça et c'est les bullettes. Les bullettes. Il nous en faut 600 de plus. Workshop. Les pots, j'ai d'en avoir 600 de plus. Hein. 300, ça suffira. Hein. Corps. On est à 51%. Oui! Là, on va commencer à discuter, les gars. Là, on va commencer à discuter. Il va nous falloir un nouveau dirigeant pour ça. National budget. Ah, c'est vrai qu'on a un truc de plus. Bon, on va rester comme ça. Non, arrête de demander ça. Je le ferai pas. Putain, je vais être obligé de le faire. Je veux pas le faire. Je vais voir notre asset. Un tour left. Ok, on a toutes les ressources qu'il nous faut. Donc ça, en flat, il nous reste ça. En flat, il nous reste ça. 6 tours. On lance ça et en 6 tours c'est fait, sachant qu'on produit un peu ce qu'il faut quoi. Putain, ça bouffe de l'énergie, bordel. Là on a ce qu'il faut en énergie. 6 tours. Il nous faut 6 tours, vous nous en laissez combien? On est 32, vous nous laissez 9 tours. On va accepter. Ok, strat.
au moins 60, on ne peut pas. On peut pas. On a combien de relations avec eux? Yes, sir. 393. Arrêtez de me mettre ce genre de choses sous les yeux. Ça ne me plaît pas. Pas de coopération, mais on peut faire un échange scientifique. Putain. 343. On a une relation à 77. On a une putain de relation à 77. Ça nous aide pas pour faire embassie, tout ça? Au moins 30. La difficulté est de 120. Modifié par la différence... Ok, donc si on était avec des friends, ça rentrerait tranquille. Modifié avec your world score, je suis assez fort là-dessus. Donc plus mon mind profile est élevé, plus je diminue la difficulté. Ok, c'est impossible avec certaines diplomaties, d'accord. Plus difficile quand le mec nous déteste. Voilà, il nous blackmail, donc voilà. Ouais, ok, d'accord, bah voilà. Plus 40 pour le blackmail. Mais il a 3 villes, cet enfoiré, en fait. Peut-être pour ça qu'on lui fait vraiment pas peur. Je pense que le prochain coup, je vais pas me focaliser sur les majors régimes. Je vais envahir un minor régime qui est à côté, juste histoire de récupérer une deuxième zone. Direct. Mais direct. On est respecté, on a un soutien qui augmente. On est solide sur le pouvoir de notre parole. Pareil, compliqué tout ça. Au moins on a réussi à recruter, on a lancé une construction de plus. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Il faut qu'on tienne la ligne en fait ici. C'est ça le souci. C'est vraiment ça le souci. Et là on est beaucoup trop distendu. Qu'on prenne des véhicules de reconnaissance pour avoir justement de la reconnaissance et arrêter de se battre en aveugle. Ah le bâtard. On peut récupérer ça facilement. Ça va falloir qu'on le récupère. Je pense qu'on va essayer de... Il faudrait que je valide au-dessus en plus. On tient, on tient. On est tellement retranché là, je pense qu'ils vont avoir du mal à nous sortir de là. Ça c'est bien. Ouais, 100 pour 1000, ça c'est cool. Ça, ça peut être pas mal. Genre, je finis la guerre avec le producing ammo. On manque d'ammo, ouais. Ça, je sais. On n'a pas de thunes, par contre. On trade.
On va accepter, ça c'est facile à... C'est facile à faire. Elle a envie de faire une statue. Oh, mais elle commence vraiment à se monter le bourrichon, elle. Hein. Arrête de monter ta tactique de tank, on s'en bat les... Ça, c'est vraiment genre le gouverneur qui a une lubie, quoi. Ouais, moi, j'aime bien faire ça. Wood Increase, ça plaît à quasiment tout le monde. Ça peut valoir le coup, hein. On va augmenter le Hurt, soit. On a pas mal de choses à rechercher. Je pense que ça pourrait être pas mal qu'on fasse plutôt comme ça. 60. Zone City Upgrade. On peut le monter à un niveau 4. Ça permettrait de monter le niveau des assets présents. On n'a pas... Si, on a monté un peu les assets quand même. Alors, un nouveau commandant. Toi. Ouais. T'as un peu d'opérationnel commandement. Tu vas me donner un petit bonus et tu vas dépenser tous tes points d'XP. T'as l'air de le faire naturellement, donc on va te pousser à le faire plus naturellement. En plus, t'es nul, donc si tu claques... Il faut qu'on monte à 13, donc on va faire... Vu qu'on va se battre un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter... Pas un mercenaire, ça coûte cher, on a recruté un militaire. Fais voir ce que tu nous as sorti. Deux, voilà, ok, d'accord. Réserve pool member. Ouh. Wow, lead from front, défense tactique. Vivement qu'il y en ait un qui claque. Quoi, en fait, le problème, c'est qu'on les met en commandement de terrain, mais elle va mourir. Mais putain, la vache, les bonus qu'elle me rentre. C'est abusé. Il est nul. On n'a pas un petit stratagème du genre la retraite en bronze. 500 de crédit. Merde. Il faut que je le mette dans la réserve pool. Il va me détester si je fais ça. Et tout le monde va me détester. Est-ce que je peux me permettre de perdre du soutien des leaders? Ouais, on augmente en population, on augmente en soldats. On augmente en population, on augmente en soldats. Ça me paraît décent, ça me paraît décent. Est-ce que j'ai les points pour faire ça? Moins 51 points, il va nous détester. Et 9% pour les autres, on s'en bat les couilles. On a trouvé quelqu'un pour te remplacer de tellement efficace que je vais même pas me poser la question. C'est pas ce tour-ci qu'on va attaquer par contre. On va concéder le... On a déjà eu des bons bonus, on remonte gentiment, on garde juste le contrôle là-dessus. On se fait la ligne à peu près ici, le temps que les autres arrivent, et après on va pouvoir peut-être regagner un petit peu. On va perdre un peu en production ici, mais c'est pas gênant. D'un point de vue d'asset, la construction est censée être finie, c'est très bien. Et ça, bah, il va normalement on est censé produire suffisamment de métal, car on est un métal. On a récupéré ça, je pense qu'on va essayer de valider avec une troupe... Peut-être avec ses militaires, avec ses militanti plutôt. Ok, il y a du monde ici. Ça nous fait une ligne de défense hein, avec lui. Hein, parce qu'ils se défendent contre les autres. Ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Ça se joue, ça se joue. La vache, le... La machine qu'ils nous ont sorti là en général en chef,
Je respecte. Donc là, ils vont récupérer toutes les cases qu'on a abandonnées, normalement. Ouais, c'est ça. Moi, mon but, c'est de récupérer le scientifique outpost. On essaye de faire une ligne à peu près décente avec le sud. Et on va partir à gauche sur le régime mineur pour le poutrer, tout simplement. On peut essayer de repousser à droite aussi, mais j'ai pas envie trop de me disperser. Au nord, c'est contenu. Ah putain, le bâtard. Ouais, là, le problème, c'est que le régime majeur, il récupère ce que le régime mineur est en train de grappiller. Alors, on est monté à 3. Ok, c'est bon, on a au moins, je vais rester là, on va valider la ville. Ce qui me paraît plutôt décent. Voilà, normalement à une case on reste. Là on reste. On va commencer à choper du terrain là un peu. On va refermer le sud. En fait, non, toi, tu vas remonter au nord. Hé hey ! Pourquoi toi, t'es... T'es qui, toi ? Ok, j'ai oublié d'en déplacer un, ça veut dire ? Soit. On verrouille tout ça. Blackmailing, non. Unité. Ah, oh, oh, oh. Oui ! Ben non, on va te faire foutre, en fait. Putain, je garde mon argent. Je garde mon argent. Ok, c'est déjà plus facile avec un deuxième régiment. On remonte là gentiment, c'est gentil. Le fait d'avoir ça, on va remonter encore plus vite. Là, on a enfermé lui, là. J'espère qu'il va partir plutôt sur le régime majeur. On pourra peut-être grappiller quelques cases comme ça. Et ça va être bien. On va jamais le rentrer, putain. T'es nul en oratoire, mon cochon! C'est nul. Deux D6 en relation en plus. C'est pas ouf, hein. Là, on se rend compte que je suis vraiment limité par les compétences. Il faudrait que je me tente à un régime autocratique en Enforcement Fist ou Earth, pourquoi pas, et voir comment on arrive à se démerder avec ça. Et voir comment on arrive à se démerder avec tout ça. Là, ce qui est bien, c'est que normalement, ça, c'est une ligne de défense. Normalement, ils vont avoir du mal à avancer entre, parce qu'on exerce, c'est notre zone de... Merde, ils nous attaquent. Si on n'est pas capable de tenir. Après, le problème, là, c'est que c'est une unité mobile, donc elle est pas très forte. Va falloir que je la mette plutôt à gauche, histoire de grappiller le terrain à fond. Il va peut-être falloir qu'on augmente aussi un peu la taille de nos infrastructures de logistique pour envoyer de la logistique plus facilement. Normalement, nos unités vraiment, nos unités d'infanterie là en MG sont censées tenir le terrain facilement. Ouais, on a tenu. C'est une unité de MG.
Qu'est-ce qu'on a découvert? Metal Soil Infiltration. Ok, donc ça permet de sortir du métal d'un peu où on veut. Roqueterie. Une centaine de kilomètres depuis derrière la... Oh. On n'a pas de thunes. Problème de morale. Putain, les bonus qu'ils nous donnent. C'est décent, hein. Ok, on en a tué quelques-uns, on les a tous fait fuir, c'est parfait. Ouais, la milice, elle a du mal à tenir, mais on ne peut rien, ça. On a notre ligne. Petit problème de supply ici. Problème de supply ici, là on a deux unités en plus. On va venir les enfermer gentiment et on va essayer de les poutrer. Hein. De toute façon on a pas d'autre choix que de faire ça. On est en train de replacer les troupes qui perdent, donc on a pas d'influx de recrues. Est-ce qu'on pourrait vendre le métal rare 4 230 160, ça me va. On va sceller les deux. Okidoki. On a 330. On peut jouer le stratagème de retirement. Bronze retirement. Toi. On n'a pas un petit bonus ? Un 3D20. Pourquoi c'était pas marqué le GD que j'allais faire? Et on a fait un 40 quand même, c'est honnête, hein, sur 60. Carl Zegman, il say he would like to leave the reserve pool and get a fitting jobs and make the leader. Lui va partir en rébellion là, cet enfoiré là. On va pas toucher au salaire. On a déjà plus de thunes. Déjà plus de thunes. Je sais pas trop à quoi ça correspond tout ça. Je suis pas alerte là-dessus. Je suis pas au courant. Putain, si on finit de pourrir ça là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités qui vont comprendre à redéployer. Ça va aller beaucoup plus vite après. Hein. Ok, la construction, est-ce qu'elle continue? 3 tours left. Le truc qui pourrait valoir le coup, c'est que vu qu'on est passé en cité Minor City, on est passé en cité rang 4, on peut augmenter zone. Le zoo. C'est con, mais toujours bon à prendre. Hein. Ah non, ça s'arrête au niveau 3. Bon bah, pas de bol. On peut pas faire ça, c'est pas grave. Je me prends beaucoup trop de ressources au nord là. Le fait de que je me sois laissé dépasser au nord là, je me rends compte que c'était pas grand chose au début, mais c'est gênant maintenant. Par contre, le truc est cool. Ah, on s'est fait artiller. Ils ont de l'artillerie. Bah ouais, tu m'étonnes qu'ils sont victorieux. Ah, ils nous l'ont carrément implosé. Vous voulez pas venir vous défendre votre ville là? Je vais essayer de valider ça pour avoir un petit boost en recrue. Terrible. Terrible. Je sais pas comment je vais gérer tout ça. On a laissé le statu quo trop longtemps. Après, le problème, c'est que eux, ils ont été capables d'avoir 3 zones sans vraiment nous attaquer. Et je pense que ça joue là-dessus. Faut que je sois plus agressif. Ouais, la méritocratie. Ouais, ça commence à partir en couille. On va pouvoir avoir ça c'est bien.
que Rapiness, tout ça. On va faire ça la prochaine fois, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va naviguer de week-end en week-end, dans des choses de plus en plus dures. Je le sens arriver gros comme une maison. Ça se trouve, ça va se terminer assez vite, mais bon, dès que ça se terminera, je recommencerai. Mais au moins, j'ai des objectifs de plus en plus clairs dans ma tête. Je gère un peu mieux, je trouve les ressources, je gère un peu mieux mes leaders. J'arrive à voir le fait de comment il faut faire évoluer les assets pour qu'on puisse avoir des productions décentes et pour pouvoir faire du recrutement, bien sûr. Donc voilà, bon. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Au week-end prochain pour du Shadow Empire, hein, comme d'hab, hein, le mercredi c'est Dwarf Fortress journée, donc je vous laisserai mercredi avec un petit épisode de Dwarf Fortress. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.